Moi c'est Apoui Jenny Kassena, je suis bon ici. Voilà de Pau. Mon premier album, quand on écoute, c'est beaucoup plus R&B, un peu de coupé, décalé. Disons, on a tellement été envahi par d'autres cultures que voilà, on se plonge un peu partout. Voilà. Reggae, ouais, mais de nos jours, je suis beaucoup plus afro-pop et tradit moderne. Voilà. Qu'est-ce qui m'a inspiré? Disons, je suis tombé dedans sans me rendre compte. Voilà, parce que depuis l'école primaire déjà, je n'étais pas doué partout, mais à chant, je me rappelle que les maîtres s'appelaient au fait pour venir voir un élève qui n'arrive pas à s'en sortir bien partout, mais si c'est en matière de récitation, chant, c'est tout chant. Il faut qu'on vienne m'écouter. Je dirais Saraden a un album sur le marché qui est sorti depuis 2013. Voilà. Après, ça m'est suivi des singles, une dizaine de singles. À partir de 2015, j'ai commencé à exploiter la musique du terroir. J'ai commencé à faire du tradit moderne et voilà, je dirais un peu, voilà, c'est mon actualité. On fait deux choses, et normal que, voilà, il y ait des difficultés, il y a souvent des choix, des décisions à prendre, voilà, mais toujours est-il que mon métier de gendarme reste toujours prioritaire. Donc à chaque fois que le devoir m'appelle, voilà, je mets une pause dans ma carrière musicale pour aller répondre et puis voilà. La preuve, j'ai fait pratiquement 3 ans d'absence sur la scène musicale ici. Voilà, parce que j'étais à l'extérieur, ensuite j'étais au nord et tout. Et là, je suis là et je suis en train de marquer ce retour-là avec ce single que je viens de balancer, Danser pour les mariés. Maman donne les accords, oui c'est validé. Et nous on les accompagne juste pour danser. Et nous on les accompagne juste pour célébrer. On va célébrer. C'est toujours me faire connaître davantage. C'est vrai que dans le milieu, je suis quand même connu parce que la plupart des artistes, et si on dit Saraden, ils savent très bien qui est Saraden. Mais il y a ce boom-là, ce boom qu'on n'arrive toujours pas à faire. Et il y a plusieurs raisons. Parce que voilà, il y a le métier de gendarme qui est là, qui m'occupe beaucoup, qui fait que vraiment je n'arrive pas à me donner à 100%. Voilà. Mais la musique reste toujours une passion parce que je faisais déjà la musique avant d'intégrer la gendarmerie. Voilà. Je traîne un peu avec, surtout avec Fouche, et discute beaucoup avec Melo, Will Be Black, Dimachel, Emilo, voilà, des Altinos qui a été mon parrain. Il y a déjà plein d'artistes qui font des chansons de sensibilisation, voilà, des chansons pour redonner le moral aussi, voilà, pour encourager, pour témoigner leur soutien au corps habillé. Donc d'une façon, c'est une manière d'aider, de soutenir, voilà, de lutter contre ce fléau. Le Burkina Faso, le niveau quand même est élevé parce que de plus en plus on arrive à se faire remarquer. Pourquoi je dis ça? Il y a des artistes comme Bébé de Bongo par exemple qui
qui est très bien reçu au Cameroun. Voilà, qui est très très bien reçu au Cameroun. Mais ici, on le voit pas comme au Cameroun en fait. C'est pour dire quoi? En fait, la bonne musique, c'est juste que on a besoin que nos fans croient en nous, qu'ils nous prennent vraiment pour des stars, qu'ils nous élèvent, qu'ils nous soutiennent à fond en fait. En fait, la très bonne musique. Et en matière de clip, on n'est pas derrière non plus. Donc, il nous manque juste les moyens pour faire plus de merveilles. Donc, pour moi, je vais donner 7 sur 10. Au fait, Burkina, c'est vraiment compliqué, mais je me dis que les artistes sont en train de prendre conscience et puis voilà, ils essaient de travailler en fonction pour donner une identité à leur musique et puis voilà, nous faciliter les choses. Déjà, c'est un grand merci et leur dire que de ne jamais abandonner parce que ça fait partie aussi des thèmes que j'aime aborder dans mes chansons. Continuer à se donner dans tout ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait. Parce que la preuve, je pouvais croiser les bras, parce que je pouvais me dire, ben, comme je suis gendarme, je ne peux pas faire la musique, c'est fatigant. Et voilà, mais j'ai décidé de ne pas baisser les bras, malgré ces obstacles et tout. Voilà, je me donne en fond. Puis voilà. Donc, c'est de continuer, c'est de croire en soi, ne jamais abandonner. J'ai même fait sortir une chanson d'Ancan, en futurien et Barak, la voix d'or. Donc, n'ai jamais abandonné, croire en soi et puis voilà, on y a des idées. Pas je n'ai jouré pas. Ikana Maloya, Abina Noroya. Ikana Maloya, Abina Noroya. Ikana Maloya, Abina Noroya. Bakantiti, bakantisalade. Nangamadenkile, te korobola.